Nous-mêmes, les internautes, parce que nous, on l'a rendu star. Mais finalement, on a fini par comprendre que Dieu même, là, il s'est dit, s'il savait, là, il allait laisser cette femme-là dans sa position. Parce que depuis que cette femme-là est quittée en Europe, elle est venue, et puis c'est elle qui est devenue star humoriste, web humoriste en Côte d'Ivoire, là. La femme qui a toutes les relations de la Côte d'Ivoire. La femme que, si tu dis son nom, on t'envoie au tribunal pour des diffamations. La femme qui a crié sur les toits ici, sur tous les toits, qu'ils ont dit des choses sur elle qu'ils n'étaient pas avérées, que c'était de la diffamation, raison pour laquelle elle voulait mettre sa camarade en prison. J'espère que vous savez de qui je parle. Et Dieu t'a fait grâce, tu es devenu quelqu'un. Tu as commencé à te coller sur les gens jusqu'à tu es arrivé en haut. On ne sait par quel moyen, aujourd'hui, elle se retrouve à la télévision sans aucun diplôme, sans aucune formation. Tu deviens présentatrice, tu deviens animatrice. Partagez le direct là. Et dans ta présentation, dans ton animation ou animatrice là, hein? Toi, ton truc, ton émission que tu as créée là, c'est juste pour les règlements des comptes. Cette femme-là, merci mon chéri pour tes cœurs. Cette femme-là, son émission qu'elle a créée là, c'est juste pour les règlements des comptes. Il a déposé le téléphone, partagez le direct. C'est pour les règlements des comptes. C'est pour mettre les gens en palabre. C'est pour humilier les autres, pour rabaisser les autres. Et on a tous assisté, la honte de ça, partagez le direct là, la honte de ça mes soldats, on a tous assisté à ton émission, en pleine émission, parce que le pasteur Macaroni qui ne s'est pas attrapé sa langue, t'a dit que, quand tu avais eu ton problème avec le babu là, celle-là elle m'a appelé, elle dit que, chose qu'on avait ça, de rester neutre, faut pas y mettre ma bouche dedans, en même temps, émission est devenue causerie de bas quartier. Partagez le direct. Émission est devenue causerie de quartier précaire. Émission est devenue causerie de batoya. Causerie de rapport. Quand c'est ce qu'elle t'a dit. Sinon que mon gros ventre là, c'est valise. Hein. Elle-même là, quand on est allé au Congo là, elle a dit à Tata Oscarine qu'elle voulait la laper, elle voulait la draguer, donc ils ont fait pas la honte. Ruby, la comédienne, dit qu'elle t'a jamais dit ça, faut pas mettre son nom dedans. Tata Oscarine dit qu'elle t'a jamais dit ça, faut pas mettre son nom dedans. La honte de ça. C'est-à-dire que vous voyez une femme qui n'aime pas la paix. Mais s'il plaît, que partagez le direct. Mon soldat, bon arrivé, partagez le direct. Voici une dame, elle n'aime pas la paix. C'est un peu comme les souris musarées, là. C'est un peu comme les souris musarées. Vous connaissez les souris musarées, les souris qui ont longue bouche. Pendant que tu es endormi, là, la souris vient. Et puis, elle te suce. Elle bouffe la peau en bas de tes pieds. Là. Elle bouffe la peau. Elle suce ton sang. Et puis, en même temps qu'elle te bouffe, elle souffle dedans. En même temps qu'elle te bouffe, elle souffle dedans. Donc, tu ne t'en rends pas compte. Le temps que tu vas te réveiller le matin, tout ton pied est gâté. C'est ce genre de personne. C'est-à-dire que depuis que toi, on a commencé à te connaître en Côte d'Ivoire, tant que tu n'es pas sujet de polémique, tant que tu n'es pas sujet de polémique sur la toile, tant que tu n'es pas au cœur, tant que tu n'es pas sujet de polémique sur la toile, tant que tu n'es pas au cœur des scandales sur la toile, tant que c'est pas, tu n'es pas au cœur des buzz sur la toile, là, toi, tu n'es pas tranquille. Donc, toi, tu as ta manière là. Ça, c'est-à-dire que toi, t'as ta manière, c'est sur le dos des autres. Tant que tu ne piétines pas les autres, tant que tu ne marches pas sur les autres, là, toi, on doit pas, on parle pas de toi, donc ça t'arrange pas. Hein? Maman a relation. Maman a tout le gouvernement est dans mes bras. Maman a toutes les relations sont à mes côtés. Maman a Côte d'Ivoire est pour moi. Maman a elle seule qui a voté. Hein? C'est-à-dire que quand on dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, là, faut pas faire ça à ton prochain. Ici, Love Gugu est venue ici. Love Gugu dit que elle t'a lapé de 6h jusqu'à 21h.
Pour ça, là, tu as porté plainte. Normalement, mais une plainte, même on doit suivre la procédure d'abord, même avant d'arrêter la personne. Mais tellement qu'à Abidjan, vous avez bras longs là. Ils sont allés saisir la dame à l'aéroport. Ils l'ont mis en prison pour diffamation. Selon toi, parce que elle est venue dire sur la toile que elle a eu des rapports intimes avec toi. Elle est venue dire sur la toile, elle est venue te traiter d'homosexuel. Elle est venue salir ta réputation sur la toile. Donc, on l'a arrêtée, on l'a jugée. On l'a mis même en prison d'abord 2 semaines avant de la juger. C'est pas même diffamation là que toi tu viens de faire là. C'est ce que moi je dis. Je dis que la loi doit s'appliquer à tout le monde. L'autorité doit s'appliquer à tout le monde. Partager le direct. Et nous, Zounion, il faut porter plainte aussi pour diffamation. Et puis nous autres, on s'assoit par terre sur nos nattes ici et puis on va voir où ça va aller. Elise ou non, il faut porter plainte. Bipez-moi et nous unions là-bas. Elise, il faut porter plainte pour diffamation. Parce qu'on t'accuse d'avoir dragué ta camarade femme. On t'accuse d'avoir voulu laper une autre femme. Du genre, on t'accuse d'être aussi lélé. Donc, cette accusation-là a valu 2 semaines à une consoeur à la Maca. Donc, nous tous, on est assis par terre. Et Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. Et je dis que quand on prend la parole pour parler là, Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Nous sommes tous Ivoiriens. Le président, c'est pour nous tous. Le pays, c'est pour nous tous. Donc s'ils ont pu mettre quelqu'un en prison pour 2 semaines avant même la date de son procès, on ne l'a pas laissé chez elle à la maison pour dire qu'elle vient au procès. Elle a été incarcérée. C'est que Elise ou non, va porter plainte aussi pour diffamation. Parce que le témoin oculaire en question, le témoin qui serait venu dire à ce moment dans la relation que tu l'as draguée, l'a dit qu'elle n'a jamais dit ça. Elle dit que tu lui faisais tellement des éloges. Moi, mais quand ma petite s'est finie de s'habiller, elle lui dit tu es jolie derrière tes gros gros pieds. Que moi, mais je suis bêtée, il y a petit petit pied, toi, il y a tes gros gros pieds. C'est elle dit que je suis lélé, c'est elle dit que je vais la draguer. C'est elle dit que je vais avoir des relations intimes avec elle. Hein? Donc, il faut que Elise porte plainte aussi. Il faut que Elise aussi porte... Mes soldats, partagez le direct là, s'il vous plaît. Il faut que Elise aussi porte plainte pour diffamation. Parce que Côte d'Ivoire, là, tout doit être de part égale. Côte d'Ivoire, tout doit être de part égale. Partagez le direct là. Donc, il faut que Elise aussi porte plainte. La honte de ça. La polémique de ça. Un moment, chacun a son heure de gloire. Maman a la relation. Maman a la meilleure humoriste. Maman a la meilleure humoriste de Côte d'Ivoire. Chacun a son heure de gloire. Hein, mes soldats? Partagez le direct. Je vous sens pas, je ne vois pas les commentaires. Mettez les cœurs, mettez les commentaires, partagez le direct là ou bien. Hein, mes soldats, dans 2 jours, vous dormez trop. Hein. Je compte si vous partagez le direct là. Mettez les commentaires. Vous êtes là, vous me regardez. Mettez les cœurs, mettez les commentaires. Ou bien le direct n'est pas chic. Le direct n'est pas chic, ou bien ça passe pas bien. Hein? Je veux voir les cœurs. Depuis là, j'essaie de parler comme ça. Vous me regardez. Je sais que je me suis fait joli pour venir vous regarder, vous parler. Mais vous me regardez, juste quand il me maquille, maintenant il fait les make-up, tout ça. Et Fabi, partagez le direct, mettez les cœurs. Je ne vois même pas vos cœurs, je ne vois pas vos commentaires ici, là, il parle, parle. Hein? Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas bon. Mes soldats, ce qu'il dit là, ce n'est pas bon. Voilà, mettez les cœurs pour m'encourager, mettez les cœurs, mettez les commentaires. Vous me regardez, je sais que je suis jolie pour vous faire plaisir, mais vous me regardez seulement. Hein? Mettez le cœur, mettez le commentaire, non. Partagez le direct. 25 partages. À cause de vous n'êtes même pas beaucoup, mais 25 partages. Hein? Partagez le direct, partagez le direct. Merci pour les cœurs. Mes soldats, il faut qu'on comprenne tout ce que chacun a son heure de gloire. Partagez dans tous les groupes où vous êtes. Partagez le direct. Il y a certains qui disent que Fabien ne sait pas partager. Venez sur la page, il y a de...
En bas où ils ont mis partager, la partager dans tous les groupes. Merci pour les cœurs. Partagez le direct. Chacun a son heure de gloire dans la vie. Il fut un temps où c'était ton heure. Où c'était toi seul dans ton palais. Où c'était toi, tu étais la meilleure humoriste. Où c'était toi qui avais le contrôle de Facebook. Où c'était toi seul à qui tout le monde voulait ressembler. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Les 13 personnes qui étaient là, partagez le direct, les autres vont venir. Vous savez que quand le mercure monte là, c'est là qu'il y a l'inspiration. Maman, la relation. Oui, mon cœur, partage le direct, s'il te plaît. Coucou, Hollande. Il fut un temps où, maman, la relation, tu gouvernais Facebook. C'est la jalousie, oh là. Il fut un temps où elle gouvernait Facebook. Il fut un temps où elle était la célèbre, où elle était forte. On ne dit pas non. Où elle nous faisait rire, tout le monde. La personne qui a dit que tu n'es pas forte là, c'est que la personne même est aigrie. Nous tous, même on est assis par terre ici, on reconnaît que tu as du talent. Nous tous, on reconnaît que tu as du talent. Afin de dire que tu n'es pas humble, mais on a parlé de ça jusqu'à on est fatigué, on ne parle plus de ça. Mais maintenant, c'est arrivé dans l'affaire de jalousie. Hein? Quand tu vois que tu as eu ton succès, tu as eu ton moment, partagez le direct dans tous les groupes, mettez les commentaires s'il vous plaît. Tu as eu du succès, tu as eu ton moment de gloire. Dans la vie, chacun a sa période de gloire. Chacun a son moment du succès. Chacun a son moment de gloire. Elle ne peut pas être la seule à gérer Facebook, c'est de l'impossibilité. Facebook, c'est pour tout le monde. Même aujourd'hui, les blogueurs même qui ont les 10 000 vues là, un jour, ils ne seront plus à la page. Et puis, c'est nous, on sera à la page. Un jour, ces blogueurs-là ne seront plus à la page. C'est la loi de la nature. Une seule personne ne peut pas gouverner pendant des siècles. C'est de l'impossibilité. Tu as eu ton moment de gloire. Aujourd'hui, c'est le moment d'Élise Zounon. Laisse la petite là briller. Laisse Élise Zounon briller. Tu dis qu'elle est colleuse de vidéos. Toi, tu es humoriste, comédienne, animatrice, présentatrice, tout. Mais il faut la laisser dans son collage de vidéos, elle va évoluer un peu. Mais juste au moment où son petit chéri ténor vient officialiser sa relation, net, bim, tu mets un deal ciel. Affaire de diffamation, puis lélé là, c'est pas ça qui a fait que tu allais mettre ta camarade en prison pour 2 ou 3 semaines. C'est pas même diffamation là qui est là. Il a dit, Ennis là, n'a qu'à porter plainte. Parce qu'on veut, voici les choses sont équitables en Côte d'Ivoire ici. Partagez le direct dans tous les groupes, s'il vous plaît. Mettez les commentaires. Elis n'a qu'à porter plainte aussi. Diffamation l'a accusé d'être lélé, l'a accusé de draguer sa camarade femme là. Elle n'a qu'à porter plainte aussi. Maman, la jalousie même vous donne quoi? Hein? La jalousie même donne quoi? Si tu as eu ton moment de gloire, c'est à cause de ça, il y a des gens, mais quand ils sont en train de souffrir, il ne faut pas prier pour eux. Parce que Dieu sait pourquoi il les laisse dans ça. Parce qu'un jour, net, quand ils vont commencer à prendre de l'ampleur, quand ils vont commencer à devenir célèbres, net, à pif, c'est fini, on ne pourra plus les attraper, ils seront insupportables. Donc quand Dieu même regarde là, il dit non, toi, il faut rester dans ta position là pour le moment. Parce que tu n'es pas encore prêt à endosser ce que je veux te donner. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que tellement que tu es jalouse, aigrie, tellement qu'elle est jalouse, aigrie même, je ne sais même pas par quel moyen tu te retrouves à la télé, tu montres même ton aigreur en pleine émission où comme des milliers de personnes sont en train de te regarder. Hein? On peut faire ça. Sérieux, on peut faire ça. Vraiment, hein? Affaire de diffamation seulement. Parce que moi, Fabienne, quelqu'un vient dire quelque chose sur Facebook, c'est pas avéré, tu m'as diffamé, je vais te convoquer. Parce qu'ils nous ont montré la route. Et puis quand on te convoque là, faut pas que tu attendes chez toi à la maison pour attendre procès. Il faut qu'en même temps, on mette la personne en prison de la manière que ça s'est passé pour l'homme Gugu là. Parce que la loi doit s'appliquer à tout le monde. Quand tu vois là, c'est pour tout le monde. Dans l'affaire de diffamation, il y a prison dedans. C'est la jalousie, non? Parce que la petite Ennis, là, est dans sa petite relation bien chic.
Elle est en train de se débrouiller un peu, elle est en train d'évoluer un peu. On a tous vu les débuts de Nice ici. On a vu comment elle était. Moi, je dis que c'est Dieu qui fait grâce. Aujourd'hui, Fabienne fait des directs à la 15 personnes. Mais est-ce que dans un mois, deux mois, vous savez là où je vais être? Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller envier ou bien jalouser Leslie qui fait son direct et puis la 4000 personnes connectées. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La jalousie donne même quoi? Hein? La jalousie et puis l'aigreur la donne même quoi? Hein? Toi, tu veux tout faire. Tu es coach, tu es animatrice. Merci mon cœur. Je suis belle pour vous mes soldats. Merci beaucoup. Tu es animatrice, tu es motivatrice, tu es humoriste, tu es comédienne, tu es coach, tu es toi seule. Tu ne sais même pas à quel saint te vouer. Tu ne sais pas où tu as te mettre. Maman, laisse la place aux autres un peu. Laisse un peu la place aux autres. Partagez le direct dans tous les groupes. Laisse un peu la place aux autres à Dama. On peut être jalouse comme ça. Et puis, ce qui me fait mal, quand elle finit de faire ça, elle est comme souris. Elle finit de faire ça, elle souffle dedans. Et puis, elle vient se jouer les victimes encore pour mettre dessus. C'est-à-dire que quand elle est finie de provoquer, quand elle finit de lancer les pics, quand elle finit de salir les autres là, elle vient maintenant se jouer les victimes pour dire que c'est de moi tout le monde parle, c'est moi on n'aime pas, c'est moi on salit. Toujours c'est toi on salit. Toujours c'est toi on n'aime pas. Toujours c'est toi en sali. Adam, on peut faire ça. Hein? Bon, il faut revoir les choses. Hein. Sincèrement, il faut revoir ce genre de choses. Hein. Il faut véritablement revoir. Hein. Ennis, il faut porter plainte pour diffamation. Pour aujourd'hui, la trop, c'est trop. Faut pas, ça va rester comme ça. Hein? Pour aujourd'hui, là, faut pas ça va rester comme ça. Il faut porter plainte aussi pour diffamation. On nous a montré la route de la plainte. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose sur toi, que tu sais que c'est pas ça, il faut porter plainte. Quand quelqu'un dit quelque chose sur toi, mais tu sais que c'est pas ça, là, il faut porter plainte aussi. La honte. Merci, mon cœur, Sébastien. Tu voulais mêler une autre personne dans ta médiocrité. Juste quand tu prends témoin, le bim de ça, le témoin en question dit, je ne suis pas au courant de ça. Toi et moi, on n'a jamais eu cette conversation. La honte. Tu t'as encore fait poste dessus. Comme toi, mais tu es né avant la honte, là. Comme tu es né avant la honte, là, tu t'en vas encore faire poste dessus. Voilà. Et puis, il dit... Fête est finie maintenant. Moi, c'est maintenant j'ai le temps pour venir faire mes directs. Les soi-disant stars ivoiriennes là, qui disent que parce qu'elles sont stars, elles ne peuvent pas se marier là. On dit quoi par ici? Hein? Merci mon cœur. Que parce qu'elles sont stars, que quoi? Voici les dangereuses stars même. Il ne veut même pas aller loin. Voyez, Beyoncé. Beyoncé qui est la star interplanétaire. Beyoncé qui est la star interplanétaire. Beyoncé est mariée. Voilà. Beyoncé qui est la star. C'est-à-dire que quand on veut vous défendre un peu là, vous-même, vous ne donnez pas courage à nous, vos soeurs, pour vous défendre. Quand les gens trouvent que vous apprenez la médiocrité, parce que c'est vous qui êtes célèbre, c'est vous qui êtes le plus connu, ça là, on n'y peut rien. C'est vous les jeunes filles, regardent. C'est vous qui êtes les influenceuses. Même quand tu viens faire un direct instructif, mais les gens ne t'écoutent pas. Quand c'est un direct pour insulter là, là les gens viennent plaindre. Ça, on n'y peut rien. Maintenant, vous-même qui êtes devant, vous-même que les jeunes filles regardent, vous venez dans l'émission avec Jean Crépin, une chose là, excusez-moi, pour raconter tout et n'importe quoi. Hein? Voyez, Beyoncé qui est la star interplanétaire là,
qui est à chaque fois sur les réseaux sociaux qui se dit qui fait quoi, elle est mariée. Elle est mariée, puis elle affiche son mari, on connaît son mari, on la connaît parce qu'elle a sa relation solide. Beyoncé qui est milliardaire, elle est mariée, ses milliards ne l'ont pas empêché de se marier. Ces milliards ne l'ont pas empêché d'être en relation sérieuse avec une personne. Donc vos histoires de chercher l'argent, le mariage là, c'est pas une fin en soi. On n'a pas besoin d'être marié. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'aussi que ça. Quelle célébrité même. Parce que vous prenez des photos, vous mettez nu, vous mettez sur Facebook, vous boostez les publications, vous avez des milliers de vues, vous appelez ça célébrité. Vous ne voyez pas la vie de Maria Carey. Vous ne voyez pas la vie de Beyoncé. Vous ne voyez pas la vie de Kim Kardashian. Quand on va parler, les gens vont dire qu'on est jaloux de vous. Hein? Les influenceuses de Côte d'Ivoire, là. Arrêtez, arrêtez de tromper nos jeunes sœurs. Arrêtez de tromper nos jeunes sœurs qui vous suivent à l'aveuglette. Arrêtez de les tromper. Arrêtez de les tromper. C'est de ça qu'il s'agit. Ça là, je vais faire sans vidéo. D'accord? Donc, on voulait parler d'un moment de la honte. Voilà, la honte de ça. Pour diffamation. Enis n'a qu'à porter plainte. Et puis, nous tous, on sera à part égale en Côte d'Ivoire ici. Je ne vais pas être longue. Voilà, j'ai décidé que mes directs ne seront plus longs désormais. Pour que les gens puissent les regarder après, au fur et à mesure. D'accord? Voilà. Donc, mes soldats, merci d'avoir été présents. On est à combien de minutes? 27 minutes. Merci d'avoir été présents. Merci de partager le direct. Hein? Ça va arriver dans les oreilles de Ennis là-bas. Qu'elle a sa grand-sœur quelque part qui s'appelle Fabi Beauté. Diana qui a porté plainte pour diffamation. Vous voyez, Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Quand on diffame sur toi, on porte plainte et puis on met en prison. Donc, Ennis n'a qu'à porter plainte aussi pour diffamation. Et puis, on va voir où cette plainte va mener. On va voir si les choses sont équitables en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent, agréable après-midi. Bisous et puis bon appétit à vous.